Bonjour, bonjour, juste avant que la vidéo ne commence, j'avais un petit message à vous transmettre pour vous annoncer que je serai présente à Rouen ce week-end pour les Geek Days. Donc je serai sur le salon des Geek Days à Rouen le samedi 21 et le dimanche 22 avril, ce week-end qui arrive, pour faire des dédicaces et des photos avec vous. Si vous avez envie de venir me rencontrer, ça sera avec un grand plaisir. Je vous retrouverai sur mon stand de 10h à midi et de 14h à 16h pour discuter avec vous, faire des photos, des dédicaces, comme je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à venir, je serai également présente aux Geek Days de Lille et de Rennes qui seront plus tard, je crois au mois de mai. Bref, je vous redirai ça plus tard dans une prochaine vidéo. Mais j'espère vous voir nombreux ce week-end à Rouen. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour à tous, c'est Petit Quick, accompagné de Miss Jirachi. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on passe une journée à Disneyland pour l'événement Princesse Pirate. On avait envie de découvrir ça avec Miss, c'est pour ça qu'on retourne au parc aujourd'hui. Et du coup, je vais vous vlogger notre journée. C'est parti, là on n'est pas encore dans le parc, on marche pour rentrer dedans. Et aujourd'hui, jour très spécial, vu que je viens de trouver un appartement à Paris. Voilà, je viens de vous le dire, je vais emménager à Paris très très prochainement. Et bien aujourd'hui, je vais acheter mon passeport annuel pour Disneyland. J'ai dit que dès que j'aurai un appartement à Paris, j'achèterai un passeport annuel. Et ce jour est arrivé, donc je vous montrerai mon passeport dès que je l'aurai. Ça va être très très cool, c'est parti. Ça y est, on est enfin dans le parc et on a un nouvel ami qui nous a rejoint, Wonderook. Vous connaissez Wonderook évidemment, Wonder, on a fait plusieurs vidéos ensemble, Wonder, coucou. Et j'ai le fameux ticket qui va me permettre d'avoir un passeport annuel et les vrais bails. Non, bon là il m'a pris mon ticket qui coûte 350 balles quand même, on va se calmer. Et les vrais bails, c'est que Miss, elle m'a parrainé parce qu'elle-même elle avait le passeport Infinity et j'ai eu 10% de réduction. Donc au lieu de 400 €, il m'a coûté 350, un truc comme ça. Quelle affaire incroyable! Voilà, c'était vraiment merveilleux. Merci beaucoup Disney pour cette réduction. Bah, j'ai l'impression d'avoir fait surtout une affaire. Et merci Elodie, ouais. J'ai rien respecté. Et du coup, c'est parti. On est dans le parc, c'est trop trop beau. Je vous montre rapidement. C'est vraiment trop génial. À chaque fois que je viens ici, ça me merveille. Du coup, bah, on va voir le spectacle des princesses. Ça commence à 11h. Ouais, ça va être trop bien. On voit pas les bulles, mais elle est bien. Ouais. Du côté des pirates et c'était super stylé, franchement ils ont fait un vrai bail Disney pour le coup. Et peut-être que cet après-midi on ira voir le côté princesse parce qu'ils s'affrontent, il y a une espèce de spectacle comme m'a dit mon ami Maxime, du coup on verra ça plus tard. Et là pour l'instant on a tous les deux, ils sont en train d'essayer de jouer aux journées très très magiques. Moi je me suis inscrite, c'est un espèce de jeu concours où il y a 7 tirages au sort dans la journée pour gagner des cadeaux de ouf. Et du coup, bah, si je suis tirée au sort, bah, je vous vloguerai ça, ça serait incroyable. Du coup, là, les deux, ils essayent de jouer aussi. Et bien, on espérait être tirée au sort dans la journée, on croise les doigts, pardon, et on verra ça. Peut-être dans le vlog, vous verrez si on a gagné ou pas.
m'acheter des oreilles pour fêter l'obtention de mon passeport annuel, vu que je vais venir plus souvent. Il me faut des petites oreilles de Mickey, mini. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci pour l'instant, donc test. Il y a des étiquettes. Mais j'arrive pas, on va pas les acheter. Pas mal. Et franchement, elles vont bien. Hein. C'est pas des tailles enfants? Non, ça va. Et ça te sert ou pas? Un peu, ouais. Non, en vrai, elles sont jolies. Ouais, sont ça, jolies. Ça me détruit les arrières d'oreilles, quoi. Mais c'est pas une taille enfant, quoi. On va manger où, Miss? On va manger à Captain Jack's. Je ne connais pas et apparemment c'est super bon, donc c'est parti. Et apparemment c'est super joli en plus. Oui. Ça y est, on est devant le restaurant Captain Jack's, restaurant des pirates. Et vu qu'on est dans la saison pirate princesse, c'est parfait. Et je vais vous vlogger tout ça. Ça y est, on vient d'être mis à table. C'est super mignon, petite bougie, tout ça. Et le décor est magnifique. Et là-bas, en gros, il y a l'attraction. Vous voyez les bateaux passer? C'est Maxime. On voit les bateaux de l'attraction passer sur des Caraïbes, attraction qu'on fera peut-être Sparrow, tout à l'heure. Venir, mon bon mec. Et peut-être Jack Sparrow va venir quand on sera à table. Ah, mais il est là, regarde. Non. Ah oui, il est là-bas. Oh là là, là-bas il y a Jack Sparrow, peut-être qu'il va venir à notre table. Si c'est le cas, bah, je vous montrerai. Moi, il fait toutes les tables. Oh là là, même la carte elle est belle. Regardez, on a Jack Sparrow et tout ça. Petite lettre. Et du coup, bah, on va choisir ce qu'on mange. Hein. Parce qu'on sait pas. Des petits menus comme ça, ça a l'air bien stylé. Sachant qu'elle aime pas le poisson, ça va être compliqué. Hein. C'est vrai, il y a beaucoup de poissons. Elle aime pas le poisson et non, c'est un restaurant de poisson, mais on va trouver son bonheur. J'ai un ange et un démon, un petit ange qui me dit qu'il y a de la viande et un démon qui me dit qu'il y a que du poisson. Bah écoutez, on verra bien, hein. On va essayer de trouver son bonheur parmi ça parce que vraiment le poisson, c'est un truc que je déteste. Ça a des côtes de bœuf là. Et ça y est, l'entrée vient d'arriver. J'ai pris une petite salade de quinoa en entrée. Mais j'ai déjà tout détruit parce que j'avais oublié de filmer, ça a l'air plutôt pas mal. Wonder, bah lui il a tout détruit, c'est une pâtée pour chien. Voilà, il a pris comme moi. Et Miss, une petite soupe de poisson, c'est ça? Oui. Et bah bon appétit. Merci. Bon app. Et le plat principal vient d'arriver. Alors c'est du poulet avec des crevettes et un petit peu de riz présenté dans une noix de coco. Ça c'est beaucoup trop mignon, très stylé. Et on a la même chose chez Maxime. Ouais. Et la même chose chez Miss. Voilà. Et on a reçu nos desserts pour terminer. Donc moi j'ai pris un petit riz au lait à la mangue. Et vous avez pris quoi? Une salade de fruits trop bonne.
Une salade de fruits bien présentée, tout ça. Mon Maxime, il attaque toujours tout. Regardez celle de Miss, elle est encore belle. Voilà. On vient de sortir du restaurant et franchement, petite douceur, c'était vraiment super bon. Du coup, deuxième étape de la journée après manger, eh bien nous sommes au parc Studio. Voilà, le deuxième parc Disneyland, on reconnaît la Tour de la Terreur, c'est magnifique. On va faire quelques attractions, dont Stitch Live que Miss n'a jamais fait, avant qu'elle disparaisse, parce qu'apparemment on va bientôt disparaître. Ça y est, on est sorti. Miss, comment t'as trouvé ça, toi qui l'avais c'était jamais fait? C'était drôle. Franchement, c'est trop mignon. Oui. Stitch, c'est mais c'est vraiment mignon. Pour les enfants. Non, moi j'ai bien aimé. Du coup, dernière petite étape de la journée et pas des moindres quand même, on va aller faire les boutiques à World of Disney et on a quand même pas mal de petites emplettes à faire, donc je vous montrerai tout ça une fois que j'aurai fait mes achats. Ça y est, on vient d'arriver chez Miss après cette journée bien fatigante. C'était vraiment une super journée et j'ai fait vraiment vraiment beaucoup d'achats pour mon nouvel appartement que j'aurai dès demain, j'emménage demain. Et je vous montrer, regardez, les deux énormes sacs qu'on a dû se trimballer dans le RER, le métro et tout ça avec juste nos petits bras. Il y a beaucoup de vaisselle à l'intérieur, vous allez voir. Du coup, je vous déballe tout ça et je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, je vous ai tout sorti. Déjà pour commencer, il y a une collection qui est assez récente puisque je l'avais jamais vue dans mes précédents séjours à Disneyland Paris. C'était ces petits trucs là avec des têtes de Mickey un petit peu colorées, mais je trouve ça assez soft, c'est joli. Donc j'ai pris un saladier et quatre assiettes. Bon, j'ai mis dans le saladier les Tsum Tsum, les tout nouveaux qui viennent de sortir également à Disneyland Paris, qui sont très mignons. Il y avait 6 nouveaux Tsum Tsum exclusifs parisiens, quoi, vraiment trop mignons. Donc là j'ai pris les 6 Tsum Tsum, le saladier et 4 assiettes. Voilà, pour commencer, j'aimais bien cette petite collection avec les Mickey. Ensuite, des petits bols parce que c'est important, j'aime beaucoup ces collections avec les bouches là de personnages. Donc on a Stitch avec écrit Stitch à l'arrière. Et j'ai également pris un bol de Tic et Tac parce que bah, toi-même tu sais, c'est mes chouchous, je les adore. Et derrière, il est comme ça, Disneyland Paris, c'est écrit. Donc un bol super joli. J'ai également pris 2 mugs parce que bah, c'est un petit peu important. Donc j'ai pris un Mickey et Tic et Tac. Et une fois que j'avais eu acheté tout ça, j'allais sortir du magasin et je suis tombée sur ça. Et donc inutile de vous dire que je suis repassée en caisse pour acheter tout ça parce que j'aime énormément cette collection, je la trouve magnifique. Donc j'ai acheté 4 verres comme ça avec les Mickey, comme ça, des anciens Mickey dessins rouge et bleu noir là, avec du blanc ici également pour la collection. Bon, il n'y a pas de blanc sur les verres. Mais bref, j'ai pris 4 verres comme ça et j'ai également pris les bols de cette collection parce qu'ils sont vraiment trop trop beaux. Voilà, c'est toujours les mêmes dessins, un motif, ça va ensemble. J'ai également pris 2 torchons, c'est toujours les mêmes dessins, j'aime bien quand c'est assorti. Voilà en gros à quoi ressemblent les torchons avec Mickey. Et aussi 4 assiettes parce qu'elles sont magnifiques. Voilà, j'ai quasiment pris tout ce qui se faisait dans cette collection là à part les tasses à café et d'autres tasses que je trouvais un peu trop petites, donc moins pratiques que les grands mugs qui sont là. Mais c'est vraiment ma collection préférée, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi en tout cas je la surkiffe. Du coup voilà, je suis vraiment refaite avec toute cette vaisselle, je suis trop fan, c'était limite mon objectif dès que j'avais un appartement, c'est d'avoir de la vaisselle Disney parce que j'aime beaucoup trop ça. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ce vlog à Disneyland avec mes amis Elodie de la chaîne Miss Jirachi et Maxime de la chaîne Wonderhook. Si vous kiffez ce genre de vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. It's not the world.